Bonjour. Ça va? Il y a des gens qui étaient de sortie hier soir? Il y a des petits yeux. J'en ai vu qui comataient dans les fauteuils tout à l'heure. Bon, je me présente, je m'appelle Thomas Moïse, je suis directeur d'une petite société qui s'appelle KNP Labs, petite agence nantaise, et on fait du Symfony 2, voilà, pour les gens que ça intéresse. Je ne vais pas du tout vous parler technique, parce que je ne suis pas du tout la bonne personne chez KNP Labs pour vous parler technique. Il y en a plein devant, là j'en vois plein. Si vous voulez parler technique avec nous, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Je vais vous parler de la façon dont on fait des projets agiles chez KNP Labs. Alors, première question, qui parmi vous travaille dans une petite agence, ou même une grosse agence, ou une agence web et fait du développement? Il y en a quelques-uns, ouais, c'est bien. Et qui parmi vous fait à peu près de l'agilité? Ah, c'est bien, tout le monde. Et là-dedans, qui fait du forfait? Ah, donc il y a quelques menteurs. C'est bien. Ok. Donc en fait, je vais vous parler un petit peu de la façon dont on fait de l'agilité, mais avant ça, je vais essayer de faire en sorte que mon ordinateur marche. Ah, déjà. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Je vais vous parler d'abord de ce qui ne marche pas pour nous. Alors, ce qui ne marche pas pour nous, c'est une chose que vous connaissez tous, c'est le forfait. Et même une partie de l'agilité qui ne marche pas pour nous. Donc voilà. Et c'est vraiment pour nous. Parce que je pense que dans d'autres circonstances, dans d'autres cas, pour certains d'entre vous, ça peut marcher. Donc vous me dites si jamais il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent dans ce que je vais vous dire. Ce qui ne marche pas, c'est un truc que vous connaissez tous, le forfait. Vous savez ce que c'est qu'une forfaiture? Ben, pour moi, un forfait, c'est un peu la même chose. C'est assez compliqué à gérer. Donc voilà. Donc un forfait, ça ne marche pas. Pourquoi? Ben, parce que, imaginons, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un jeune homme qui s'appelle je ne sais plus, il est, ah oui, un jeune homme qui s'appelle Bob Kevin, je crois, je le mets après, voilà, Bob Kevin. Et il est architecte leader IT. C'est bien architecte leader IT. Il doit faire du Java avec un nom comme ça, non? Ok. Il est architecte leader IT, il s'appelle Bob Kevin, et il est en charge d'un programme, une application. La refonte de l'application, commande de Stabilo, super important, c'est vital pour la boîte, les Stabilo. Et la boîte, l'application, elle va s'appeler Like a Boss. C'est bien. Non, c'est bien, bien. Merci. Ouais, merci. Ouais. Ok. Et pour ça, il va faire un cahier des charges. Un gros cahier des charges de, je sais plus, j'ai mis combien, 73. 73 pages, sans compter les annexes. Vous en avez eu des comme ça? Oui? Qui a eu des cahiers des charges de 73 pages? Ok. Tout le monde. Ouais. Ou plus. Ouais. Et des fois, vous avez même des cahiers de spécification. Non, c'est pas la même chose. Non, non, rien à voir. Des fois, c'est même pas la même personne qui le fait. Mais des fois, vous recevez ça. Et là, vous avez, pareil, 122 pages en plus à lire pour pouvoir commencer à travailler. Donc, c'est bien, vous récupérez tout ça. C'est sympa. Et votre chef, le chef de Bob Kevin, il a un budget. Il lui donne un budget pour réaliser son application. Et il donne un délai. Il faut que ton application sorte dans tant de temps. Effectivement, et plutôt tôt, avec un budget plutôt réduit. Ou pas, on s'en fout. Mais voilà, il a ces informations-là, c'est sympa. Et donc derrière, il va voir la meilleure équipe du monde pour faire du développement. Donc, chef, c'est nous, hein. Bon, ah non, c'est vous aussi. Et il demande à cette équipe-là un devis, un planning et de signer un contrat. Au forfait, évidemment. OK? Et ça, bah, nous, on s'empresse de le faire. Et on se lance dans le forfait. On se lance. Vous vous rappelez d'un film qui s'appelait La Haine? Vous vous rappelez de cette petite histoire le gars qui se lance du haut d'un building. Et puis, ben, jusqu'ici, tout va bien.
continue à développer, ça va. Puis bah, jusqu'ici, tout va bien. Puis continue, quoi. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'au moment où, bah, la mer, il y a le trottoir, quoi. Ça va un peu moins bien, ouais. En fait, le problème, c'est bah, on se retrouve confronté à la réalité. Et la réalité, c'est pas forcément le cahier des charges. Des fois, on en est même assez loin. On fait quelques petites concessions. On accepte quelques petits changements parce que bah, on fait de l'agilité quand même. Il y en a qui m'ont dit, hein, j'ai vu des mains se lever quand j'ai posé la question agilité, forfait, il y a eu les deux. Hein. Donc on fait un petit peu, ou on essaie de faire de l'agilité, ou en tout cas d'être souple, à défaut d'être agile. Donc on accepte quelques petits changements. On dit ok, ça va pas trop nous impacter, on est intelligent, on est en confiance, le client est sympa. Voilà. Le problème, c'est que, ben, au bout d'un moment, il y a une tension budgétaire parce que il faut finir le projet. Et une nouvelle demande arrive. Et on va commencer à regarder est-ce que c'est dans le cahier des charges. Et là, vous avez passé votre temps à ça, à essayer de vous justifier du fait que ben non, on ne va pas faire ça parce que ce n'est pas dans le cahier des charges. Ou alors, vous allez voir votre commercial et dire ah, ce n'était pas dans le cahier des charges, est-ce que tu peux négocier un avenant pour moi? Ah, c'est magique là, on est parti sur des avenants. Super. Et là, plus personne n'est content. Bon, bref, ça ne marche pas. Et en plus, vous êtes tout ça lié par un contrat. Vous êtes obligé de le finir en temps et en heure. Sinon, vous avez, ça se trouve, même des pénalités. Ça peut arriver. Donc ça, bah, nous, on n'aime pas ça. Ça ne marche pas. Le client n'est pas content. Nous, on n'est pas content. Et voilà. Ça ne marche pas du tout, mon truc. Je suis où? Et on va y arriver. Voilà. C'est là que je voulais aller. Voilà. Donc là, on a vu sur le forfait et des petits problèmes. Et en fait, de façon plus globale, les problèmes qu'on a, on peut les résumer de façon assez simple. On a quelques types de problèmes. Sur tous les projets, on a des problèmes de rivalité. Les problèmes de rivalité, c'est des problèmes de rivalité à tout niveau. Parce qu'il y a des tensions, on a des exigences budgétaires, on a des rivalités humaines qui se mettent en place, il y a même des fois des tensions économiques, politiques. Il y a plein de choses qui arrivent dans un projet qui sont liées à l'humain. Parce que bah, les demandes d'un chef de projet ne sont pas les mêmes. Il y a une tension qui va s'installer, je vous avais dit tout à l'heure, à cause de certaines choses. Et le développeur veut faire de la qualité, mais quand on lui dit bah non, il faut livrer pour demain, bah, la qualité, tant pis. Bah, il n'est pas content, il est triste. Enfin, vous êtes triste, hein, j'imagine, quand vous ne faites pas de la qualité. Et donc ça, personne n'est content, il y a plein de rivalités. Donc ça, c'est le premier type de problème. Deuxième problème sur ce genre de choses, c'est qu'on a, on a des mesures. Le problème des mesures, c'est quoi? C'est en fait un projet informatique. C'est pas du tout comme un projet d'ingénierie classique. C'est-à-dire, c'est pas comme un projet d'ingénierie classique. C'est un projet d'ingénierie classique, vous allez pouvoir mesurer tout. Tout est facile, tout est calculable. Quand vous faites un devis, c'est facile. Ça devrait marcher. Sauf qu'un projet informatique, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'humain. Et chaque décision est juste impossible à mesurer. Chaque décision prise, chaque décision impacte d'autres décisions. Donc c'est pas. On a beau avoir fait, certains d'entre vous ont fait des écoles d'ingénieurs, on n'est pas comme d'autres ingénieurs. Ça ne marche pas pareil. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ça, on ne peut pas mesurer. Et la mesure entraîne la contrainte et entraîne des problèmes. D'accord? Un autre souci, c'est la logique de résultat. Logique de résultat dit effectivement qu'on a besoin de mesurer. Et donc on va avoir une tension budgétaire, qu'on va avoir des choses à mesurer. Et le problème, c'est qu'on est incapable. Même le client, le code client final, est incapable de vous donner de façon exacte une bonne façon de mesurer ce que vous avez fait. Vous n'avez pas possibilité de mesurer. En fait, il ne va pas vous donner le cahier des charges, il va vous expliquer en 3 mots ou 4 mots ou 10 slides ou 20 pages quelques billes pour ce qu'il veut. Mais entre ce que vous avez fait et le cahier des charges, c'est impossible de dire qu'il y a une exacte ressemblance. Il n'a pas de billes. Et ça, d'ailleurs, c'est un des problèmes de l'agilité, parce qu'aujourd'hui, on donne des mesures de l'agilité. On prétend que l'agilité est mesurable. Mais bon, on va y revenir.
Et il y a un souci sur aussi l'outillage, c'est-à-dire qu'on va remplacer beaucoup de choses qui devraient être humaines par des outils de mesure, des outils de négociation, des outils de communication. Donc là, ça peut apporter aussi des problèmes potentiels sur les projets. Okay. Donc, c'était pas ça du tout, mon slide. Il se cale en bas de mes slides, c'est super. Donc en fait, la solution magique, c'est d'être agile. Vous êtes d'accord? C'est super l'agilité. Est-ce que vous connaissez les quatre fondements, les quatre grands principes de l'agilité? Qui connaît les quatre grands principes de l'agilité? Okay. Et qui connaît Scrum? Ah ouais, c'est dommage. Donc avant de connaître Scrum, connaissez les quatre grands principes de l'agilité. Les quatre grands principes de l'agilité, c'est la base de tout. C'est tous les concepts agiles qui en suivent sont dedans. Vous avez tout. Donc voilà, donc je les ai écrits en anglais parce qu'ils ont été écrits en anglais au départ. C'est quoi? C'est dire que les interactions entre les individus est plus importante que les processus et les outils. Premier principe. C'est-à-dire qu'on va, d'abord, c'est un, de l'humain, de l'humain, de l'humain. On parle avec des gens, on essaie de les comprendre, on essaie de discuter avec eux. D'accord? Et ça, c'est avant n'importe quel outil, avant les processus que peuvent vous imposer vos clients, avant les outils que vous pouvez essayer de trouver, tout ça, c'est plus important de discuter avec les gens. Donc, premier truc. Deuxième grand principe, il n'y en a que quatre. Hein. Deuxième grand principe, c'est de dire qu'un logiciel qui fonctionne est plus important. Je suis en train d'apercevoir que la pendule en face ne marche pas, c'est génial. Un logiciel qui fonctionne est plus important que de la documentation aussi complète qu'il soit. Donc voilà. Ça pareil, j'imagine que on vous demande souvent de rédiger plein de documentation. Donc bah, arrêtez, ça sert à rien. Faites des logiciels. Troisième grand principe. La collaboration avec le client est plus importante que la négociation. Voilà. Donc collaboration over négociation. Super important. Donc ça veut dire que bah, les contrats, pareil, entre guillemets, laissons tomber les contrats. Nous ne faisons plus de contrats, nous ne faisons plus que travailler avec les gens. Et nous ne faisons pas négocier la façon dont on va travailler. OK? Ou ce qu'on va faire. Et le dernier principe, c'est la réponse au changement. Donc accepter le changement. Donc ça, c'est celui en général qu'on retient. Mais c'est vraiment pas le plus important en fait. Répondre au changement, accepter le changement, parce que ça, on le fait tous, plus ou moins. Même en forfait, des fois, on se donne 10% de marge parce qu'on sait qu'il y a du changement. Donc finalement, c'est un truc bidon. Mais enfin bon. C'est répondre au changement est plus important que de suivre un plan. Voilà. Donc tous les chiffrages que vous avez faits. Voilà. Tiens, il y a parmi les gens qui m'ont répondu, ou même tous, est-ce que vous faites du chiffrage dans les gens qui font de l'agilité? Qui fait du chiffrage de projet? Ah si, il y a déjà... Les autres, vous travaillez sans faire de chiffrage. D'accord, vous travaillez à l'aveugle. Ok. Donc si on résume l'agilité, c'est des gens qui font des codes de qualité, des gens, développeurs et fonctionnels, qui essaient de faire de la qualité en essayant de se comprendre les uns les autres et qui acceptent le fait que bah, chacun peut changer. Voilà. C'est ça, l'agilité, c'est juste ça. Voilà. En quatre mots, on a l'agilité, et ce n'est pas la peine d'aller chercher du Scrum. Bon, Scrum, c'est bien. Hein. Tiens, d'ailleurs... question suivante, c'est Scrum. Qui fait du Scrum? Je ne sais même pas si je le prononce bien. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y en a pas mal, 8. Ok. Ok. Et est-ce que vous avez été coaché par des gens qui font du Scrum pour faire du Scrum? Ouais. Il y a même des coachs Scrum parmi nous? Non? Des coachs agiles? Oh, j'ai de la chance, je ne vais pas me faire taper à la fin. Parce que bah, Scrum. Pour nous, en tout cas, enfin, Scrum, on a des petits problèmes avec Scrum. Enfin, moi personnellement, j'ai des petits problèmes avec Scrum.
marche plus du tout. Ah, voilà, c'était ça. OK. J'ai des petits problèmes avec Scrum, en fait. Pourquoi ? C'est parce que on est dans une petite boîte et que moi, je pense que Scrum, ça s'adapte beaucoup plus quand on travaille en régie dans une grosse boîte. Donc là où le Scrum est super bien et ça s'adapte pas très bien, ou même en interne, des projets internes. Donc faire du Scrum avec des clients distants, des clients qui n'ont pas forcément le temps tout le temps d'être là, ou, etc. Il y a plein de choses qui sont très très dirigistes, très formelles dans le Scrum, et ça ne s'adapte pas forcément. Donc par exemple, un truc tout bête, le client va vous demander un budget. Ça vous arrive de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez travaillé à ce niveau-là, mais le client va vous demander un budget. Il a un budget dans lequel il faut rentrer. Et ça, avec Scrum, c'est compliqué de répondre à ça. Il a besoin de savoir combien ça va lui coûter. C'est difficile de répondre avec Scrum à ça. Quelqu'un sait répondre à ça en utilisant la méthodologie Scrum. Qui ? Bon. Il y en a 15 apparemment. Ah non, c'est 15 minutes, c'est ça ? OK. Je vais accélérer un peu. Il veut que les risques soient partagés. Ou en tout cas, il ne veut pas que tous les risques soient de son côté. Avec Scrum, il a l'impression que tous les risques sont chez lui. Le forfait, c'était génial pour lui, tous les risques étaient chez vous, chez nous. Avec Scrum, il a l'impression que c'est l'inverse. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est le feedback que j'en ai quand j'essaye de vendre Scrum, ce que j'en ai vu. Et il a besoin de visibilité. Il a besoin de voir au fur et à mesure de son projet où il va, comment ça va se passer et qu'est-ce qui va... Comment tout va se terminer, quand, comment, dans de quelles conditions. Donc il a besoin d'un peu de visibilité. Et je vais remonter tout en haut de mes slides encore une fois. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer, enfin, rapidement, comment on fait de l'agile chez nous. Comment on essaye de faire de l'agilité. Donc on ne fait pas de Scrum. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui changent. On essaie de définir un cadre avec le client. On essaie de définir un cadre. Un cadre, ça va servir à quoi ? C'est même un contrat cadre, en fait. On va avoir un contrat cadre, parce qu'on a contractualisé l'agilité chez nous. Je ne sais pas si vous le faites beaucoup. Ça se fait de plus en plus, mais c'est bien. Donc nous, on a contractualisé l'agilité et on a un contrat cadre qui sert à une chose en particulier, il y aura plusieurs choses, mais une chose en particulier, c'est expliquer ce qu'est l'agilité. Les clients ne le connaissent pas encore, donc c'est juste pour expliquer bêtement ce que je suis en train de vous dire, comment fonctionne l'agilité. Qu'est-ce qu'un product owner, qu'est-ce qu'une équipe de développement, etc. Donc qu'est-ce qu'un sprint, voilà. Donc on essaie de lui expliquer tout ça dans le contrat. Et puis aussi, dans le contrat cadre, on va définir des règles. Et des règles, c'est des règles de comment on fonctionne tous ensemble. Et des règles, des devoirs et devoirs du client et des développeurs, du prestataire. Et c'est tout. Il n'y a surtout pas de budget. On ne définit rien. On ne fait pas un gramme, quasiment, on ne parle pas du projet dans le contrat cadre. On écrit une ligne en expliquant ce contrat est à propos d'un site web. En gros, c'est à peu près tout ce qu'on écrit. On écrit vraiment rien dans le contrat cadre. Mais on le fait signer, parce que dedans, il y a les règles. Et il y a les devoirs des clients. Voilà. Et une fois qu'on a un contrat cadre, on sait qu'on va se lancer sur des sprints. On va avoir un sprint 1, sprint 2, sprint 3, etc. Et donc là, nous, on fait des contrats. Un contrat par sprint. On fait un contrat par sprint. Et qu'est-ce qu'on met dans le contrat sprint ? On définit une durée. Alors là, justement, au contraire de l'agilité, on part sur des durées fixes, mais on est un tout petit peu plus souple que ça. On va voir ça juste après. On définit une durée. On définit aussi des fonctionnalités. Et donc là, c'est un engagement entre le client et nous, sur une durée fixe et courte, des fonctionnalités, du nombre de fonctionnalités, de ce qu'on va faire durant ce sprint. Donc si vous voulez, c'est comme si on avait un mini forfait de quelques jours. Voilà. Alors donc là, notre risque est faible, le risque du client est
mesuré, et lui, il sait où il va. Il y a un engagement. Donc j'ai dit mini-forfait, j'aime pas trop ça, parce que c'est pas du tout un mini-forfait. Mais bon, c'est pour expliquer, et en général, le client, il aime bien se retrouver le mot forfait quelque part dans son, quand on lui parle. Okay, donc on définit des fonctionnalités. D'ailleurs, comment on définit des fonctionnalités, on verra ça juste après. C'est parmi les outils. Et enfin, je vous disais que la durée était importante. On est dans un mode win-win. Qu'est-ce que c'est qu'un mode win-win? Est-ce que quelqu'un a une... Il y en a parmi vous qui ont une idée de ce que c'est qu'un mode win-win sur un contrat? Bon. En fait, un mode win-win, la façon dont nous on le fait, c'est bêtement de dire on accepte de dépasser. C'est-à-dire que ce n'est pas une durée fixe. C'est-à-dire qu'on va, on s'est engagé à faire des fonctionnalités, 3-4 scénarios, dans 3-4 features durant le sprint, et on les fait. Si jamais, par hasard, on s'est trompé dans notre évaluation à ce moment-là, et qu'on on dépasse de une journée, et bien cette journée-là, malgré tout, comme c'est du win-win, c'est-à-dire qu'on partage le risque, on partage le fait qu'avec le client, on partage le fait qu'on s'est peut-être trompé, ou peut-être que c'est juste lui qui nous a mal expliqué les trucs, ce qui fait que les journées en plus, on les facture moitié prix. Et inversement, si jamais on est en avance, les journées en moins, on les facture. On ne fait rien, c'est super, mais on les facture quand même. On les facture moitié prix. Donc, dans les deux cas, qu'on soit en avance ou en retard, c'est partagé, le risque est partagé. Voilà. OK ? Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de travailler sur de la confiance avec le client. Et avant les sprints, eh ben on fait ce qu'on appelle, ce que vous connaissez sans doute, un sprint zéro, dans lequel on va définir une backlog qui va être priorisée et on va prendre en haut de la backlog, la priorisation de la backlog. Ce qu'on fait en plus, nous, c'est des artifices commerciaux, sans doute, c'est qu'on dit que toute l'étape qu'on fait sur la sprint zéro, on ne le facture pas si le client part avec nous. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en fait, le backlog est hiérarchisé. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en fait, entre chaque sprint, le client, au mieux avant un sprint, il n'est pas obligé de signer le contrat de sprint. Il peut partir, il part quand il veut. Donc voilà, donc nous, on a un énorme risque. Donc on est obligé de faire la qualité, on est obligé de faire des choses super bien. Et donc, voilà, et il me reste 10 minutes. Donc voilà, et donc entre les sprints, eh ben, on fait du geek time, on essaye en tout cas. Qu'est-ce qu'on appelle le geek time? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée de ce que peut être le geek time? En fait, on prépare les sprints suivants hein, et on fait du geek time. C'est-à-dire qu'on va essayer aussi de faire un peu de veille. Et donc voilà. Donc ça, c'est la façon dont on travaille, c'est de faire un peu de veille techno et de s'amuser sur des projets open source entre les sprints. Voilà. Voilà comment on s'organise aujourd'hui chez KNP sur du contrat agile. Alors, je vais y arriver. J'y étais tout à l'heure. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux. Je vois rien en plus. Je vois pas ce que je fais. Donc là, en fait, là, j'essaie de trouver des slides super, super sympas. Voilà, c'est ça. Ah. Je suis presque. Et alors, est-ce que ça répond aux problématiques qu'on avait posées tout à l'heure? Savoir, par exemple, le budget, problématique de budget. Alors oui, ça y répond. Pourquoi? Parce que on a une notion d'estimation continue, le client maîtrise son budget et on maximise l'effort initial. Alors comment ? L'estimation continue, c'est quoi ? C'est de dire que, vous imaginons, le backlog fait 10 features, 10 fonctionnalités. Et dans le premier sprint, on est capable d'en faire 4. Donc ça veut dire qu'il y a des chances qu'en encore un gros sprint ou un sprint ou deux sprints, là, deux sprints qui suivent, l'application va être finie. Donc je peux faire la même avec 100, un backlog de 100 fonctionnalités, 100 features, et puis des sprints qui durent, qui font 5 features. Donc vous avez une visibilité au fur et à mesure. Et cette visibilité va, cette estimation va s'affiner. Vous savez, le client va commencer à savoir où il va, parce que d'expérience, on sait que chaque fonctionnalité va avoir à peu près le même découpage.
ça, c'est l'expérience. Mais voilà, donc au fur et à mesure, on va savoir où il va. Il va suivre, qu'il divise après ce qui lui reste par le nombre de fonctionnalités faites par sprint, en moyenne. Et il va voir cette estimation qui va s'affiner au fur et à mesure de son... Donc il sait où il va. Ensuite, il maîtrise son budget. Je vous l'ai dit, il peut quitter le projet quand il veut. Et à la fin de chaque sprint, c'est très important, on a des fonctionnalités qui sont testables par le client, qui existent, qui marchent. On lui sert quelque chose dont il va pouvoir se servir. C'est peut-être pas toute son application, mais on ne fait jamais, nous, de choses qui ne servent pas. On lui change des choses qui montrent. Donc on ne fait pas de découpage technique, on ne fait que du découpage fonctionnel. Très important. Ok, et donc voilà. Et ça, il va pouvoir s'arrêter quand il veut. Donc son budget, c'est lui qui le maîtrise. Dès qu'il n'a plus de sous, il s'arrête. Et il a quelque chose qui marche. Il a quelque chose qui marche, d'autant plus que comme on a priorisé la backlog, bah, il a forcément les trucs les plus importants qui sont faits. Là, ce n'est pas nous, au forfait ou en travaillant, on s'est dit, techniquement, on préfère partir sur un truc comme ça. Non, c'est lui qui a décidé que fonctionnellement, il voulait ça d'abord. Et c'est ce qu'on fait. On l'aide, hein, là-dessus. Ensuite, les risques. Alors, les risques, bah, il y a le mode win-win dont je vous ai parlé. Donc, les risques sont partagés. La fin de projet, il arrête quand il veut. Donc, ces risques sont très limités. Il peut arrêter quand il veut. Et tout ce qu'il fait, c'est jamais perdu. Parce que bah, il a des choses qui fonctionnent au fur et à mesure. Puis, il a un backlog qui a été fait par des gens à peu près intelligents. Et enfin, chaque sprint apporte de la valeur. C'est ce que je vous disais. Si ça arrête au milieu d'un sprint, à la fin d'un sprint, ce qui a été fait fonctionne. C'est fonctionnel. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe derrière va pouvoir reprendre ça et on part sur un projet qui fonctionne déjà. Okay. Donc les risques sont limités. Et la visibilité, bah, sa visibilité, étant donné qu'il a priorisé ses tâches, normalement, sa visibilité, il va l'avoir au fur et à mesure des sprints. Il va très bien voir que la valeur de son projet, elle augmente très très vite au début. Et donc la visibilité, elle est bonne. Et puis enfin, il y a le sprint zéro, enfin les sprints sont testables. Et il y a le sprint zéro qui donne surtout une bonne visibilité au fur et à mesure. Il voit les tâches s'enlever au fur et à mesure et les tâches les plus importantes. Donc ça, la visibilité, il va l'avoir très vite sur son projet. Bon, pour terminer, je vais vous... Un truc assez important, c'est la façon dont ton travail... comment, nous, techniquement, on utilise tout ça. Parce qu'en fait, il y a quelques outils. On a quelques billes, quelques outils que vous utilisez sans doute déjà. Et nous, on utilise vraiment de façon très intégrée, en fait, à cette méthode-là. Notamment, un outil qui est très important pour nous, c'est le BDD. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont assisté à la conf hier de Constantin Kudryashov et d'Antoine Hérault ? Ouais. Et parmi les autres, est-ce qu'il y en a qui connaissent le BDD ? Non, tu y étais. OK. Donc, le BDD, c'est Behavior Driven Development. Et question, est-ce qu'il y en a qui font du BDD ? 1, 2, 3. Oui, non, mais oui. OK, 3. 3 personnes qui font du BDD. Est-ce que parmi les autres, il y en a qui voudraient faire du BDD ? Ah, ouais, c'est bien. Ouais, faites du BDD parce que c'est super bien. Le BDD, c'est quoi ? C'est le Behavior Driven Development. J'ai même pas marqué parce que tout le monde le sait maintenant. C'est un outil qui encourage, là, c'est Wikipédia qui parle. Qui encourage la collaboration entre les développeurs et les intervenants non techniques participant à un projet de logiciel. Donc, tout est dit. Là, ça permet la collaboration entre les développeurs et les non techniques. Voilà. Ça sert à ça. Ça sert à ce que tout le monde parle le même langage. En tout cas, de mon point de vue. Peut-être que les développeurs vous diront autre chose. Et si vous voulez parler BDD et BIAT techniquement avec les gars de KNP Labs, ils seront super contents de discuter là-dessus avec vous. N'hésitez pas. Donc pour ça, on utilise BIAT. Donc BIAT, c'est le meilleur outil pour faire du Behavior Driven Development en PHP. Et comment on utilise BIAT ? Alors d'après ce que j'ai compris, c'est pas BIAT, ça c'est Gherkin, mais enfin bon. Comment on utilise BIAT ? Voilà un petit exemple. BIAT, on décrit des fonctionnalités en bon français ou en anglais, ou dans n'importe quel langage. Je crois que même pour faire du breton, il me semble, non ? C'est possible, hein ? Du pirate ? Ouais. Bref, on peut faire pas mal de choses. Et en fait, ça, c'est très compréhensible par un fonctionnel, et donc par le client. Et nous, on travaille là-dessus, en fait.
durant les sprint planning, donc en préparation des sprints, on écrit ce genre de choses avec le client. Et ensuite, c'est ce qu'on met dans le contrat de sprint. On met ça. Et le client signe ça. Et après, derrière, on lance Biat et on a tout ça qui devient vert. Et le client, il est content. Parce que quand c'est vert, c'est bien. Voilà. Donc, je vous laisse lire ça. C'est très simple. C'est super compréhensible. Ça, c'est traduit de la doc Biat. Autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est le pair programming. Pair programming, alors ça m'a été plus ou moins imposé, parce que les gars ont commencé à travailler en pair programming et finalement ça marche super bien, c'est super efficace, qualité du code, efficacité, rapidité, on gagne en vélocité sur l'ensemble des sprints, donc faites du pair programming si vous n'en faites pas, si vous voulez en faire et que votre patron ne veut pas, dites-lui de m'appeler, il n'y a pas de souci, je lui en parle. Donc ça, c'est vraiment bien. Qui fait du pair programming? 1, 2, 3, 4, 5, pas mal. 5, 6, ah non, 6, parce que 5, ça faisait un nombre pair. Ah, un pair, ça ne marchait pas. Ok, pair programming, c'est vachement bien. Des trucs tout bêtes, on utilise un Scrum Board. Utilisez un Scrum Board. Nous, on utilise un Scrum Board forcément en ligne, parce que nos clients, hélas, nos clients ne sont pas dans nos bureaux, puis ça nous embêterait des fois, que nos clients soient dans nos bureaux. Donc, on utilise un Scrum Board en ligne, on utilise un outil qui s'appelle Trello, qui est super bien, enfin qui est vraiment bien, gratuit, qui marche très très bien. Donc utilisez un Scrum Board. Et puis plein d'outils qui nous permettent, nous facilitent la vie quand on fait des projets agiles, Git, GitHub, Capiphony, Travis, etc. C'est très bien pour partager de l'information avec le client. Par exemple, sur GitHub, nous on a toute notre doc dans les wikis GitHub et ça va très bien, ça suffit largement et c'est parfait. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est le timing pour les questions là, non? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a un micro? Un micro. Il marche? Un, deux. Oui. Comment vous gérez les bugs? On n'a Comment pas vous de les bug. réintroduisez dans les sprints? On n'a pas de bug. Mais en fait, non, mais non, on développe super bien, il n'y a pas de bug. Mais en fait, on fait une recette. Au bout de chaque sprint, on fait une recette. Et donc, s'il y a des bugs identifiés par le client, des anomalies identifiées par le client, ou des bugs, ou des choses qu'il considère comme étant pas correspondant pas à la recette, eh ben le sprint, je dis, le sprint n'a pas une durée fixe, c'est-à-dire on va aller un peu plus loin. Donc, on va passer 2-3 jours en plus, 4, 5, 6, là on commence à pas gagner beaucoup d'argent, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, on les corrige au fur et à mesure. Et ensuite, après, il y a aussi une recette sur l'ensemble du projet. Donc, les bugs, on les corrige dans ce timing-là. Donc, soit on fait nous des recettes, on fait des recettes internes, soit on les corrige à la fin de chaque sprint. Voilà. Est-ce que au fur et à mesure, vous mettez en ligne enfin, vos stories que vous faites au fur et à mesure pour que le client puisse faire des retours directement ou juste en fin de sprint? Les stories sont, étant donné qu'elles sont les features, en fait, c'est ça que tu voulais dire, les features, en fait, elles sont contractuelles. Donc, forcément, le client les a vues. Donc, il a même signé, il a trempé son doigt dans son sang et il a signé dessus, et nous aussi. Donc, il les connaît tout de suite et on lui envoie les résultats de test quand on peut, les résultats de test Biat au fur et à mesure. Et en plus, en général, même tout le temps, on a des environnements de release et donc il peut tester au fur et à mesure. Et quand je dis tester, pour nous, quand je dis les éléments sont testables, je ne parlais pas de test unitaire ou même de test fonctionnel ou même de Biat. C'est tester par l'utilisateur qui peut, avec sa petite souris, cliquer sur les fonctionnalités. C'était ça, j'entends, par test du côté client. Qui voit du vert, c'est super, ça le rassure, il est content, mais ce n'est pas assez pour lui. Lui, il faut qu'il voit quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de fonctionnel, de testable au fur et à mesure à chaque fin de sprint et à chaque fin de sprint on fait une recette et la recette c'est une démo. On fait une démo. Voilà. Ok, merci. Ce sera la dernière. Après, je pense que vous pourrez discuter avec Thomas directement sur le stand de KNP.
Merci, bonjour. Alors moi, je viens du service public, donc c'est un petit peu différent, mais j'aimerais savoir la méthode agile par rapport au positionnement des appels d'offres, des cahiers des charges. Comment on peut arriver à concilier ça? C'est-à-dire que si vous voulez répondre à un appel d'offres avec une méthode agile, où il y aura un cahier des charges précis, avec une validation de service rendu derrière, avant recette, est-ce qu'on peut vraiment se positionner avec une méthode agile là-dessus? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Donc c'est séduisant, mais c'est écarté pour la fonction publique, quoi. Ah ouais, tant pis pour vous. Non, mais par contre, je suis désolé, j'ai vraiment pas de solution là-dessus. C'est oui, c'est tellement rigide et c'est normal que ce soit rigide pour la fonction publique qu'il faut mettre en place des choses. À moins de peut-être avec cette notion justement d'avoir plein de petits contrats plutôt qu'un seul gros, peut-être encore lotisser encore plus ce que vous faites déjà beaucoup en général sur les projets informatiques, vous lotissez pas mal, lotisser encore plus peut-être et faire là le peut-être qu'il peut y avoir une société qui est en charge de faire le backlog, qui va avoir un conseil de réaliser le backlog, et puis après vous lotissez chaque sprint. Mais bon, ça veut dire faire un appel d'offres par oui, sprint, ça implique qu'on n'aura pas forcément le même prestataire derrière, quoi. Ouais, ouais, non, c'est, donc je, pas je, la même notion ou pas, j'ai pas forcément là, on peut en discuter, mais j'ai pas d'idée. Tel que, ouais, c'est vrai que après, moi, il y a certains de clients à qui on propose cette méthode, même si on a des arguments sympas comme les contrats de sprint qui se font au fur et à mesure, et certains clients qui sont juste réfractaires. Je vous parle même pas de l'impossibilité contractuelle du public. C'est juste qu'il y a des clients qui veulent, j'ai besoin, donnez-moi au moins une enveloppe. Et les clients insistent lourdement. Moi, mon boulot, c'est aujourd'hui de dire non, je ne vous donnerai pas d'enveloppe. Non, je ne vous donnerai pas d'enveloppe. Parce que si je donne une enveloppe, je me tire une balle dans le pied. Même s'il a une idée, je lui donne une idée quelque part du coût que ça va avoir. C'est-à-dire, quelque part, je me suis engagé. Lui, il va retenir que ça. Même si je lui dis, mais ouais, je te le dis à peu près, c'est pour toi parce que je t'aime bien. C'est rien que si je lui dis ça, il va garder cette idée en tête et il va rester bloqué là-dessus. Donc voilà, j'ai pas de solution, mais par contre, je veux vraiment bien en discuter parce que. Alors, par contre, je vais venir vous voir parce que nous en interne, on a un service de développement, et par contre, la méthode agile nous séduit beaucoup. Et en plus, on a le gros avantage, on n'a pas de budget justement là-dessus. C'est-à-dire qu'on a peut-être du temps. Dommage. On a du temps à limiter. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous, on peut utiliser la méthode agile en interne chez nous. Ah oui, par contre. Oui. Par rapport à nos clients potentiels qui sont qui sont les services qui demandent. Merci. Je t'en prie. Merci.